Il y a aussi tous les petits mensonges. Tous les petits mensonges dans lesquels on grandit depuis tout petit. Tous ces petits mensonges mortifères. Et pourtant, ils nous construisent, quoi. On les avale. Une fois, j'étais en train d'acheter une petite parcelle de terre pour les joujoux qu'on fait, qui sont pour ce qu'on fait, libérer de la terre, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut acheter le bout de terre. Hein. Parce qu'on a un grand mythe encore en Occident, c'est la propriété privée. Saloperie, ça. Mais bon. Et le notaire, il me regarde, il me fait « Mais compteur, vous arrivez à gagner votre vie en étant compteur ?» Il a regardé, je fais « Mais monsieur, j'ai pas besoin de la gagner, ma vie. Ma mère, elle me l'a donnée gratos. » Gagner sa vie. Vous imaginez l'impact? Chaque enfant à qui on dit qu'il faudra bien qu'il pense à gagner sa vie. Mais le sous-entendu, ça veut dire que si je ne deviens pas salarié, si je ne me mets pas à bosser pour un patron, je meurs, quoi. Combien d'enseignants, combien de parents disent à leur môme « Eh, il faudra que tu penses à vivre ta vie. » Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par contre, gagner sa vie. Tous ces petits mensonges. Est-ce que vous avez des idées, vous, d'autres petits mensonges comme ça? C'est le matin et vous dormez, mais je dors aussi. Hein. Non? Il y a travailler dur. Ouais. Travailler dur. Pour réussir. Ouais. Réussir, c'est génial. Ça veut dire quoi donc réussir? Quand on nous dit qu'il faut travailler dur pour réussir, est-ce que c'est devenir un être humain? Parce que c'est quand même le résultat d'un long travail, ça, l'humanité. Est-ce que c'est devenir un homme bon, une femme bonne? Est-ce que c'est devenir quelqu'un de droit? Non, non, réussir. Une Rolex. C'est avoir la Rolex, le yacht, la BMW, quoi. C'est qu'une histoire d'argent. Donc ça réussit, tous ces petits mensonges. Alors après, on en a plein dans nos proverbes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, alors on sait que quand ça commence par soi-même, ça s'arrête à soi-même aussi, mais bon. Tout ça, on grandit dedans. Ça nous nourrit. On se fabrique avec. On fabrique ce monde, du coup, avec ces outils-là. Et ça rejaillit dans plein de choses.